m'émanant sans le parfum d'antan. Je sens tout descend l'incandescent et c'est stressant. Mon corps subitement subit l'impact de l'enfoui. Décidé qu'on ne pas l'attaque et s'enfuit. Est-ce mon subconscient qui fuit ou l'incendie de mes sens sans bruit? Sur barque. Certains ont même quitté les chariots depuis quelques années. Mais aujourd'hui, c'est la Saint-Louis, le grand examen de fin de saison. Ils sont quatre catégories de jeunes shooters, légers, mi-moyens, moyens et lourds, à tenter de décrocher davantage que la fierté de leurs parents d'aurait déjà acquise. On se motive. Pour ces jeunes shooters, c'est un moment qui restera gravé dans leur mémoire. Ils sont une douzaine dans la catégorie léger qui vont s'affronter ici, tout comme leurs aînés, dans ce cadre prestigieux. La couronne se parle un magnifique bouquet. Bravo, bravo. Il y a de la tenue dans ce tournoi des légers. Mais c'est une catégorie qui rencontre quelques refus. Il faut comprendre que le passage des chariots aux barques n'est pas évident.
toutes les notions d'espace sont remises en cause. Là, ils sont perchés à 2 mètres au-dessus de l'eau, avec une barque devant eux, et l'eau surtout, l'eau en bas de leurs pieds. Et c'est souvent ça qui est le facteur de beaucoup de réticence. Mais bon, après, ça passe vite. Hein. Il faut toujours un an d'adaptation pour que les petits, après, n'aient plus peur et jouent correctement. Ce tournoi léger a vu disparaître de nombreux favoris. Et la finale se joue entre Apicella Flavio sur la bleue et Furio Florian sur la rouge. Ça récompense sa saison, il a fait quand même trois fois première. Après bon, ils méritent tous de gagner, ils ont tous bien joué toute la saison. Après ça se joue sur une passe le tournoi. Ça aurait pu être lui et c'est lui, comme ça aurait pu être un autre. Mais bon, c'est une récompense qu'il s'offre à lui avant de me l'offrir à moi. Tout le monde attend Raymond Amaya, un jeune jouteur qui est un véritable phénomène, déjà champion de ligue et promis à un grand avenir sur les quintaines. Effectivement, Raymond Amaya va remporter ce tournoi sans connaître de réelles difficultés. En finale, il bat Mathis Baronetto, qui n'a jusque-là rien à se reprocher. C'est Sébastien Fabre et François Gonzalez qui le suit depuis qu'il est tout petit. Et il le sait depuis qu'il joue, il joue depuis l'âge de 4 ans. Sa première Saint-Louis qu'il a gagnée, il avait 4 ans, en première année chariot. Et là, à mesure, ça monte. Et là, c'est la première année pupille et on est très fiers. Il a fait un très beau entraînement, un très bel entraînement avant-hier. Et ses coachs lui ont dit d'y aller sans stress et de donner le meilleur de lui-même. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Les jeunes jouteurs qui animent le cadre royal garderont en mémoire qu'ils ont évolué eux aussi sur les barques de la Saint-Louis et dans un cadre qui répond toujours aussi présent pour la jeunesse montante. Chez les poids moyens, c'est Noah Rooks qui gardera certainement le plus beau souvenir. Dans un tournoi particulièrement ouvert, il va battre l'autre costaud, Alexandre Benavente, au point. Et les barreurs, Steven avec Cyril à la rouge et Rémi à la bleue. C'est magnifique de gagner la Saint-Louis. Donc j'avais fait deux finales l'année dernière. Et là je la voulais parce que ça faisait deux fois que je ne la gagnais pas. Donc après c'est beau de gagner la Saint-Louis. Ouais. Et aussi c'était pour ma grand-mère et mon grand-père. Lundi on sera tous là, voilà, demain les plus forts. Hein voilà. Un jour il gagnera Saint-Louis des Lourds un jour. On verra. Ah c'est sûr. Justement, sur le cadre, c'est au tour des jeunes jouteurs lourds à faire preuve de combativité. Le public va se régaler dans les revanches avec le magnifique combat que nous offrent Théo Birba et Anthony Principato. C'est la finale entre Enzo Girard et Sauveur Benavent. Bien que pesant 20 kg de moins, Girard va superbement jeter son adversaire. C'est ainsi que se termine ce tournoi sur une des plus belles passes de la journée. C'est bien sûr un grand moment d'émotion pour la petite famille d'Enzo Girard venue soutenir leur champion. Et alors, le petit frère, il veut marcher dans les traces de son grand frère. Qu'est-ce qu'il pense de la victoire d'Enzo ? Je suis très content parce que je suis fier de mon frère et je l'aime tout le temps.
Place aux animations. La compagnie des plasticiens volants entraîne le public au pays des songes, autour du cadre royal. Le spectacle Little Nemo est inspiré d'une bande dessinée publiée dans le New York Herald Tribune entre 1905 et 1914. Recherche du légendaire pays des songes, Little Nemo, rêve après rêve, tente de rejoindre dans son palais la princesse sans nom, fille du roi Morphée. Little Nemo traverse des contrées inconnues, souvent déconcertantes, où rien n'est ce qu'il paraît être. Le déambulatoire est composé de plusieurs tableaux, reliés entre eux par une parade évolutive. Du coucher de Little Nemo au spectaculaire tableau final, où la ville en marche voit enfin la rencontre de Little Nemo et de la princesse. De quoi faire rêver petits et grands. Je suis de Groyer, où est la compagnie des plasticiens volants. Donc je voulais voir ce spectacle qui me... Ben, je sais pas, je trouve ça fait rêver quand même, hein, de voir un lit qui vole, des maisons qui volent. Je trouvais ça merveilleux. Ben, moi j'habite Béziers, pas depuis une dizaine d'années. Et là je sors des corridas et de la feria. Mais je préfère ici, c'est plus paisible que les corridas. Il y a moins... C'est pas tout à fait pareil. Ça correspond plus à ce que je souhaite. Le moindre mot qu'on puisse dire, c'est festif. Très festif. Et un spectacle extrêmement visuel. Voilà. Et vous reviendrez ? Ah ouais, sans problème, ouais. Franchement, sans problème. C'est très impressionnant, en fait. C'est très, très féerique, très joyeux, et ça fait du bien. Yeah, yeah, OK. We had to please some, squeeze some, in and out the great some. Let me show you how it's done, cause this could be a lot of fun. Oops, here's the MC wanna be. Call me when you need it, very Billy Bobby G. Take one slice of butter for my gutter, pay a letter. Take two from the water, so you know it lots to go. Take three to some other seas. Bring it on a platter, turning energy to matter. I'll be your mentor, ball busting centaur. Go and see a Tim Pop, not a DJ Buster. There's five JB's G's. Bob before your majesty, the queen of bees. I'll be your Simba. Ninja, running like ninja, singing like mustard. That people are gonna get the message. We ain't gonna waste it, let me tell thee. Cause every single minute be more wild and free. Towards infinity, we share the circuit and beyond. Defying gravity, we drive the vessel on and on. Hear me come through the sun, danger to the microphone. Raging my way through the sun, sending you back home. Sending you back home.